Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les 13 fonctionnalités les plus importantes pour moi dans iOS 13.1.1. Puisque la version iOS 13.1.1 est sortie encore hier soir pour régler différents problèmes, dont un problème avec le clavier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 13 fonctions qui, à mon avis, sont les plus importantes pour moi. Dites-moi en commentaire si elles le sont pour vous. C'est parti tout de suite pour cette vidéo. Alors, dans un premier temps, on va se rendre sur les réglages et ensuite on va se diriger sur luminosité et affichage. Et pour moi, c'est vraiment la grosse nouveauté. On va trouver donc le mode sombre. On voit donc ce mode sombre qui est vraiment excellent pour protéger vos yeux. Surtout, n'hésitez pas donc à abuser de ce mode, puisque en plus, vous allez préserver pas mal de batterie en utilisant ce mode. Il vous préservera la vue tout au long de la journée. Alors pour cette deuxième fonctionnalité que j'ai trouvé vraiment, c'est maintenant Safari qui gère donc les téléchargements. D'ailleurs, à partir de ce site, vous pouvez donc récupérer tous les iOS pour tous vos iPhones. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin de ce lien. Je vous l'enverrai directement en partage de commentaires. Alors, la gestion de téléchargement, ça c'est franchement génial. Puisque ici maintenant Safari gère les téléchargements, c'est franchement cool. Une fois que vous téléchargez votre fichier, on le retrouve tout en haut à droite. Une fois que votre fichier est en train de télécharger, vous êtes en train donc de voir l'évolution de votre fichier. Et l'évolution de votre fichier, vous allez le voir aussi dans l'application fichier. Et vous allez donc même pouvoir aller voir dans le dossier téléchargement. Le fichier désiré est en cours de téléchargement. La troisième grosse évolution pour moi se trouve donc dans le panneau de contrôle. Lorsque vous allez vous diriger sur votre icône Wi-Fi en faisant un 3D Touch, vous allez donc avoir une deuxième sous-fenêtre. Et lorsque vous allez faire un appui un peu plus long 3D Touch, vous aurez aussi la possibilité de laisser un appui long avec le Haptic Touch. On peut faire un appui long et l'intégralité donc des réseaux apparaît. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps et ça vous permet donc d'aller vous connecter à vos réseaux les plus fréquents sans passer par l'application réglage. Alors, ce que je trouve intéressant avec iOS 13.1, c'est que avec l'App Store, en faisant donc un 3D Touch, on a donc le petit menu contextuel qui s'ouvre et il n'y aura plus besoin d'aller rentrer dans l'App Store. Vous allez tout simplement sur mise à jour et vous allez pouvoir vérifier si toutes vos applications sont mises à jour sans passer par l'ouverture de votre application App Store. Et ça fait gagner aussi pas mal de temps. C'est bien pensé de la part d'Apple. Toujours avec le 3D Touch, on va aller sur l'application réglage. On va pouvoir se faire un 3D Touch. Et ce qui va être intéressant dans ce menu contextuel, c'est que vous allez avoir accès donc directement visuellement, par contre non vocalement, à la batterie. Et par exemple, vous aurez accès directement aux trois principaux menus: cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth. Et par exemple cellulaire, on va pouvoir directement ici aller faire notre partage de connexion soit par Wi-Fi, donc mettre notre iPhone en mode modem, soit par USB ou soit par Bluetooth. Alors, c'est super intéressant, c'est super rapide, puisque le 3D Touch nous permet d'être ultra rapide sur notre page d'accueil et d'effectuer des tâches très rapidement. Et toujours avec le 3D Touch ou la petite touch, si vous allez donc sur calendrier, on peut voir tout de suite les informations des rendez-vous qui sont tout de suite inscrits dans ce menu contextuel. Et ça aussi, ça permet d'être rapide et ça permet en fait d'être efficace pour ces rendez-vous. Toujours avec le 3D Touch, et ce qui est intéressant maintenant, c'est que sur Note, si vous faites un 3D Touch sur Note, vous avez une fonction scanner qui va vous permettre en fait de numériser une page très rapidement et de la partager efficacement. Dans le menu contextuel sur plan, ce qui va être intéressant, c'est que instantanément, quand ce menu contextuel apparaît, on peut donc tout de suite marquer sa position ou partager sa position avec un ami, ce qui va permettre, par exemple, si vous êtes entre copains, de vous rejoindre dans un endroit précis et de faire parvenir à vos amis la position exacte où vous vous trouvez. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, bien sûr, on n'est pas en reste avec l'application santé. Si vous avez donc parfaitement renseigné votre fiche, vous allez pouvoir soit l'ouvrir très rapidement, donner les informations santé rapidement grâce à ce menu contextuel sur la première page. Et ici, vous voyez donc que ça peut être très rapide, très efficace, soit de partager ou d'ouvrir votre fiche médicale pour donner des informations importantes aux urgences. Et ça, c'est vraiment nickel. Puis parfois, on a besoin d'être soigné très rapidement. C'est génial de la part d'Apple
de prendre soin de notre santé. Pour ce menu contextuel que je trouve très important quand même sous iOS 13.1.1, sur notre application téléphone, lorsqu'on va faire donc un 3D Touch, on va avoir un menu contextuel très complet où on pourra instantanément donc soit remplir une fiche contact. On pourra là aussi tout de suite donc afficher les derniers messages vocaux, créer une fiche contact instantanément, afficher les derniers appels. Et là aussi, ça fait gagner énormément de temps grâce à ces menus contextuels sur notre page d'accueil. Utiliser ces menus contextuels va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces menus et si vous vous en servez au quotidien. Alors, une des belles avancées, mais que l'on trouve déjà depuis longtemps sur Android, c'est donc le sweep. C'est la façon donc de poser son doigt et d'écrire instantanément, de pouvoir écrire très rapidement une phrase sans jamais donc lever son doigt. Et ça, c'est vraiment super génial puisqu'on peut vraiment taper ultra vite un SMS, un mail, et ça, c'est vraiment efficace. Apple, malgré les différents bugs que l'on a rencontrés actuellement et encore sous iOS 13.1.1, c'est dans accessibilité. La possibilité donc de jumeler une souris pour les personnes en situation de handicap moteur. Alors on trouve cette fonction dans réglage et dans accessibilité et dans physique et motricité. Vous allez donc pouvoir jumeler une souris pour que les personnes puissent être le plus à l'aise possible au niveau de la navigation de leur iPhone. Alors la souris n'est pas utilisée comme sous un ordinateur, mais on aura la possibilité donc de gérer et de cliquer sur les applications correctement. L'évolution donc sur l'accessibilité avec le voice-over n'a pas été laissée non plus de côté. On a donc deux nouvelles possibilités avec le voice-over, telles que si on lance le voice-over, on aura une multitude de fonctionnalités. C'est un lecteur d'écran qui permet aux personnes non-voyantes et aux personnes malvoyantes d'utiliser un iPhone comme tout le monde. Ce lecteur d'écran donc va instantanément lire tout ce qui se passe sur l'iPhone et permettra donc à une personne non-voyante ou malvoyante d'utiliser un iPhone comme tout le monde. Et ça, c'est franchement génial. Et sous iOS 13, donc différentes fonctionnalités supplémentaires telles que commande, bouton, activité, bouton, rotor, bouton, action du rotor, saisie, bouton. La saisie des commandes, on va pouvoir un peu plus personnaliser son voice-over. D'ailleurs, une vidéo est en préparation sur l'intégralité de l'accessibilité sous iOS 13. J'espère qu'elle vous plaira. Et on continue donc cette exploration sous iOS 13. Voice-over désactivé. Alors maintenant, grâce à l'application Fichier, vous allez donc pouvoir transformer votre iPhone en un vrai petit ordinateur puisque les clés USB vont être maintenant compatibles à l'iPhone, les disques durs externes. Vous allez donc pouvoir gérer vos fichiers dans l'application qui, elle, devient vraiment un explorateur de fichiers très conséquent pour votre iPhone, ce qui vous permettra de gérer des disques durs et des clés USB sans aucun problème. Attention donc, un adaptateur sera quand même nécessaire. On peut s'apercevoir aussi que dans iOS 13, Siri est devenu un peu plus puissant. Plus besoin d'installer d'applications de radio. Il est capable maintenant de lancer plus de 100 000 radios puisque Apple a signé un partenariat avec Tuning Radio. Et grâce à ceci, vous pouvez donc demander à votre Siri de vous lancer une radio. C'est le top et en plus, c'est efficace. Écoutez Skyrock. 39 euros seulement. Et oui, du 25 septembre au 5 octobre. Écoutez une radio techno. Un petit instant. Comme vous pouvez entendre, c'est efficace, donc plus besoin d'installer d'application. C'est gratuit en plus et vraiment ça marche. On peut s'apercevoir aussi que un petit éditeur vidéo a été donc mis en place et vous allez, comme pour les photos maintenant, c'est très puissant. Vous allez donc pouvoir éditer avec ce petit éditeur de vidéo, pouvoir donc toucher aux vidéos, les mettre à l'endroit, à la façon, par exemple, si votre vidéo a été prise en mode portrait, en mode paysage, vous allez pouvoir la mettre en mode portrait pour éventuellement poster des vidéos sur Instagram. En fait, cet éditeur, ce petit éditeur vidéo est vraiment génial et super efficace si vous voulez faire de la retouche vidéo avec votre iPhone. Plus besoin en fait d'iMovie. Grâce à cet éditeur vidéo, vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses et c'est vraiment super puissant. Au niveau des photos, vous allez pouvoir donc rechercher vos photos par mois, par thème. Si vous recherchez par exemple des photos, vous allez même pouvoir des photos avec de la neige. Vous allez même pouvoir demander à Siri photos avec de la neige. Un instant.
Et ici, par exemple, avec Siri, il est tellement aujourd'hui puissant. Si vous avez des photos, il est capable donc de regarder dans vos photos ce qui se passe, s'il y a de la neige, s'il y a de la mer, s'il y a des montagnes, et de vous retrouver les photos que vous lui demandez. Voilà donc pour cette vidéo, en tout cas des fonctionnalités que je retiens les plus conséquentes pour moi, que je me sers aujourd'hui sur iOS 13. Dites-moi en commentaire ce que vous servez vous comme fonctionnalité sous iOS 13.1, ça m'intéresse vraiment. Dites-moi si vous utilisez les mêmes fonctionnalités, si vous en utilisez d'autres, c'est intéressant. Partageons ensemble dans les commentaires, ça peut être très utile pour moi et pour vous. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision High Tech. Salut à tous!